Salut à tous, c'est Pierrick le Geek. Et aujourd'hui, on se retrouve sur South Park. Hein, ça date qu'on en avait fait. Donc, l'épisode 5. Alors, on va s'arrêter. On s'était arrêté la dernière fois. On devait enlever Craig de Cole, le libérer. Parce qu'il était avec Monsieur McKay. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va libérer Craig. Alors, on commence tout de suite. Alors, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Hein, à propos de la chaîne, mais d'abord on va laisser cette cinématique. Ok, vas-y, viens, je t'attends. Alors, à propos de la chaîne, déjà qu'est-ce que je vais dire, le nouveau projet que j'ai fait, Scream Night. Y a pas mal de personnes qui ont été contents de ce projet que j'ai fait avec mes frères. Donc on va continuer, hein, on va continuer ça. Mais d'abord voilà, je continue South Park pour tout simplement parce que je vais le finir, hein, je l'ai commencé, donc je finirai ce jeu, bien que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais bon, je le finirai. Hein. Voilà, je l'ai commencé, donc je le finis. Parce que là, il bug pas, donc ça ne peut pas être comme Mirror Edge. Ou que j'ai dû malheureusement l'arrêter, quoi. Parce que je ne pouvais pas continuer, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, on va aller ici. Ah, putain. Pourquoi je peux pas aller? Ah, je sais. Alors, Fajé, je crois. Voilà. Bah, c'est plutôt sympa, ça. Hop, alors, on va tout prendre. Voilà, alors, sinon, à part le projet... Scream Night, voilà, il y a eu le projet, comment ça s'appelle, mince, j'ai perdu le nom, le projet qui s'appelle je me rappelle plus du nom, Jette Pata, voilà, c'est ça, Jette Pata, c'est un bon projet, je pense, honnêtement, je pense que qui peut plaire à des gens. Non, il m'a eu. Donc voilà. Oula merde, j'ai complètement loupé. Pas grave, on va taper une aptitude, ça. Ah oui, putain, il a un bouclier, lui. C'est chaud. Alors, déjà, on va mettre une potion de guérison à mon perso. Parce que, voilà. Et ensuite... ensuite, un petit coup d'arc. Voilà. Bon, déjà, il a plus de bouclier. C'est déjà ça. Et ensuite, un petit coup dans l'eau. Voilà, et on sent, c'est parfait. Alors ici, on va pilonner QED. Ouais, bon désolé si vous entendez beaucoup le bruit des touches. Hein. C'est que voilà, je n'ai pas encore de micro, donc on fait avec les moyens du bord. Donc c'est normal que vous entendiez un petit peu, bon même avec un micro on peut entendre quand même, mais bon, voilà, cool, des taches de rousseur. Hop. Récupérer la clé en cuivre. Euh,
Ah, d'accord. Ouais, ok, je vois. Il va montrer ses boobs. Et boum. Ok, d'accord. Bah, c'est plutôt sympa. On va tout lui prendre à lui. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il n'y a pas grand-chose. Ici, il n'y a rien. Je l'ai eu, je crois. Donc aussi, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à propos de la chaîne? J'ai atteint les 70 abonnés, oui, voilà, je viens juste de voir ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment incroyable, je vous remercie. 70 abonnés, certes, c'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, 70 abonnés, je suis vraiment content de les avoir atteints. C'est vraiment un truc de fou, donc je vous remercie, voilà, de me soutenir de plus en plus nombreux chaque jour. C'est vraiment incroyable, donc voilà, bah, je vous remercie. Et quand on aura si on atteint les 100 abonnés, je serai vraiment content. Et je vous referai sans doute une vidéo pour vous remercier, une vidéo spéciale, hein, donc je dis pas encore c'est quoi, bien sûr. Alors, attendez, je suis désolé, voilà. Bon, alors, ici on a des objets à prendre. Alors je vérifie, ouais, ça prend bien en compte l'enregistrement. Une balle au prisonnier, une arme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de trucs. Alors ça descend, donc c'est plutôt chiant. Alors ici on n'a pas grand chose. Marqueur, parasol, ouais c'est... Ça c'est juste, voilà. Non, ça m'intéresse pas. Et ça fait trop roux. Donc non, voilà. Ouais bah pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là déjà? Je crois qu'on doit aller. J'ai la clé en cuivre normalement, je crois. Oui, je l'ai, voilà. C'est parfait. Hop. Fait tomber qui arrête, ceux qui allument les pétards et... Boum. Vous mourrez. Enfin, lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à shooter? Ah bah, il y a ça, bien sûr. Et voilà. Là. Et bah, ça fait plaisir, ça. Plutôt que se battre, c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ça on défonce ça. Ici y a rien. Ok. Ah, faut que je... Non mince. Oui, c'est comme ça. Non. Ah voilà.
y a rien, non, il y a rien à faire. Attendez, je suis un petit peu. Faut pas changer de pote, non? Peut-être. Je sais pas. À mon avis, c'est peut-être ça. Hop là. Ouais, voilà. Oui, voilà, parce qu'il soigne. Voilà, oui, c'est bon. Les cheveux trop roux. Voilà, j'ai au moins la clé en argent. Alors, la salle en argent, elle est où? Ah, elle est là. Hop, la salle en argent. Désolé, je suis un petit peu concentré, on va dire. Merde. Ah non, faut que je change ça d'abord. Ça donne quoi? Un roi sur ça. Normalement, faut que je... T'inquiète, je sais où était le... Ouais, voilà. Parce qu'il n'y avait pas de marqueur, donc je pensais que... Donc voilà. Donc, bah, en tout cas, je vous remercie franchement pour les 70 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Je pensais pas déjà arriver à 70 abonnés, hein, bon. Ça arrive petit à petit, mais bon, au moins c'est ça arrive quoi. Boss des surveillants de couloir. Pourquoi ils sont tous roux? C'est très raciste ça. T'inquiète pas, ton boss, je vais le liker en 2 ou 3 mouvements. Alors, pour commencer, on va commencer par une aptitude agression sur lui, parce que voilà, c'est le boss. Déjà, il est étourdi. Est-ce qu'on peut lui lancer? On peut lancer des... pour faire disparaître leur bonus, ça c'est cool. À lui. Hop là, voilà, amélioration supprimée, déjà c'est fait. C'est déjà bien. Ensuite, on va faire un petit coup de marteau des orages. Voilà. Il y a déjà ça. Frappe de rook. Hein. Ah, voilà, je l'ai bien eu là, sur ce coup-là. Ça fait plaisir. Parfait. Alors, comment ça s'appelle? Potion santé. On va lui en donner un petit peu à Butters. Un peu de potion de santé à Butters. Ensuite, on va faire coup dans le dos à lui. Ça fait plaisir d'avoir pris la classe voleur. Hein. C'est vraiment très cool, je trouve. Donc ensuite, un petit coup de marteau sur lui. J'arrive toujours pas à... Je crois que vu que c'est un jeu vraiment acheté ou pas, du coup à mon avis c'est pour ça que ça bug un peu. Donc lui on va le niquer parce qu'il est assez dangereux. Voilà, donc déjà c'est ça, c'est bon. Ensuite objet. Et en pensant des pépés. Voilà,
Et ensuite, on lui remet un petit coup de marteau des orages. Parce que c'est vraiment cool, ça. Concentration. Mais il est mort. Et voilà, c'est parfait. Alors, amélioration disponible. On va voir ça tout de suite. Deuxième potion de santé. Un god, ok. Bah oui, pourquoi pas. Ouais, à part ça, c'est juste des objets à la con. Non, ça. Non, merci. Ensuite, il y a une amélioration disponible. Allez, on va mettre ça. Voilà. Bon, bah, ça fait plaisir, on avance petit à petit. Et voilà. On l'a libéré. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Je regarde si on avait des quêtes à faire. Bon, ça, ça va faire plus tard. Ça se fera. Ça se fera. Ça se fera, pardon, quand ça se fera. Ensuite, ça. Ouais, non, je pense qu'on va continuer la quête principale. On va se concentrer sur l'histoire principale, quoi. Quand même, parce que voilà. Parce que je préfère qu'on se concentre sur l'histoire principale que les quêtes secondaires. Bon, j'en ferai quelques-unes quand même, parce que voilà. Alors, ici, je peux pas en acheter. Voilà, Cartman, salut! Mais c'est reconnu. Oh là là, ce jeu. Ce jeu est vraiment incroyable, franchement. Le barde. Dague à pousser. Ah, c'est plus. Ouais, il est mieux que le. Alors, ça, je vais modifier. Et modifier ça, je vais mettre. Alors, c'est quoi ça? Je 10 de dégâts en cas d'attaque parfaite. 20 de dégâts d'accueillement. Bah c'est mieux ça, hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais choisir? Plus 2 d'armure réduisant les attaques ennemies. À mon avis, ce sera mieux ça. Alors.
alors ça, je vais voir. Bon, allez, on va s'équiper de soigner des PV. Sera plutôt cool. Et puis ce chapeau est vraiment cool, donc je le garde. Ah, j'ai toujours oublié de modifier ça. Donc on va équiper ça cette fois. Et pour les grands. Étude de soins, restitue du PV de plus. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est vraiment cool, voilà. Donc déjà là on s'est équipé, pardon, pas excipé, ça veut rien dire. Oh non, je vais encore galérer là, parce que soit je comprends rien, soit. Alors, donc. Pourtant, je fais comme j'ai une honte, voilà, je maintiens, je peux aider quand il met. Alors, est-ce qu'il faut le faire plus rapidement que aider? Il faut pas qu'ils le mettent, faut peut-être pas le faire comme ils le font eux. C'est bizarre ça. Parce que je fais exactement ce... Je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe là. Ce que ça peut être, pourquoi ça ne marche pas? Oui, bah j'ai compris, hein, mais bon. Ça me fait chier ça. Bon, re tout le monde, en fait j'ai fait une petite ellipse parce que je galérais à fond. Donc voilà, en fait j'ai trouvé le truc. C'est que en fait ce n'est pas Q attends. Ce n'est pas Q et D. C'est S et D. Parce que à mon avis, le jeu doit être configuré bah, forcément américain, vu que c'est téléchargé, un jeu téléchargé. Du coup, moi j'ai utilisé les commandes ZQSD, donc normal. Et en fait, ça doit être les commandes américaines WASD, pardon. Et donc là, il a fallu que j'utilise S et D. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc voilà, j'ai trouvé la solution tout seul. Enfin, voilà, ça c'est fait déjà. C'est déjà une bonne chose de faite. Alors, je vais voir si je peux t'acheter des trucs.
Déjà, je vais vendre bazar. Parce que ça, je sais que ça ne sert à rien. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive pas à vendre tout d'un coup. Hein. C'est malheureusement pas possible. Donc, on va faire manuellement. Beaucoup de trucs à vendre, donc on va pas, enfin je sais pas si on va tout vendre parce que ça fait plutôt chier. Voilà, on vend un petit peu de quelques trucs. Je sais pas pourquoi je peux pas tout vendre. Ah bon, bah ça va, il reste plus grand chose. On va vendre le reste parce que ça, à ce que je sache, ça ne sert à rien. Donc autant les vendre pour se faire de la thune, c'est plus utile. Alors ça, on va garder des patchs, ceinture d'armes, on va garder ça, je le mettrai jamais. Donc bon, non, je vais garder alors consommable. Qu'est-ce que j'ai pas de grand chose? J'ai pas grand chose là. Ça. Bon, voilà encore une deuxième ellipse. Désolé quand le devoir m'appelle. Alors, on en était où là? Je vais acheter cette arme là. Parce qu'elle me paraît bonne, 63-85, elle augmente tout. Donc, une attaque parfaite réduit le bouclier de 1. En cas d'attaque parfaite, réduit les dégâts de la cible. Je vais acheter ça. Voilà, ça me paraît bon. Non, 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 je viens d'acheter ça. Équipement. Soigne 15 PV par tour avec une arme à deux mains équipée. C'est inutile parce que j'ai pas d'arme à deux mains, je crois. Attends. Ouais, non. Elle est pas à deux mains, celle-là. Non, bah, on va. Hop, cool. Merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir. Paf, paf, paf. Inventaire. Donc, on va modifier. On va enlever ça. Modifier et mettre ici, voilà. Là, ça fait plaisir et on est Wally. C'est Twitter qui dit. Oh là là, ce jeu, franchement, South Park, c'est vraiment un univers vraiment incroyable. Pas d'autre truc à dire, franchement, c'est ce jeu, c'est franchement, il est parfait. Je regrette pas de le faire en vidéo avec vous. Alors bien que je suis sûr que, enfin, il n'y a pas grand monde qui me suit dessus, hein, mais bon.
Voilà, c'est parce qu'il date de quand même longtemps, donc voilà. C'est pour ça, à mon avis, c'est Jimmy. C'est Jimmy le barde. Ouais, bon. N'importe quoi. C'est débile, mais c'est tellement drôle, quoi. Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je regrette pas de faire ce jeu, franchement. On va faire une invocation, voilà. Voilà, comme ça ce sera fait beaucoup plus vite. Et voilà, ça c'est fait. Ah oui, ça va. Et ensuite. Mince, le CG, oui, d'accord. Voilà. Alors, qui l'a eu, je sais pas. On va l'avoir lui. Voilà. Alors, un petit objet. J'ai plus grand chose. Non, on va rien prendre pour l'instant. Et on va lui mettre un coup de marteau des orages. Boum. Oui, merde, lui, il a du bouclier, putain. J'avais pas capté. Oh putain, je m'y attendais pas. Donc, celui-là. Comment ça s'appelle ça? Alors déjà on va prendre du mana. Et on va lui mettre un coup de magie. J'ai plutôt loupé, je crois. On va prendre une petite potion de santé parce qu'il est en mauvaise posture. Lui, il est mort. Bon, voilà, déjà il a plus de bouclier, lui. Putain, il m'a ralenti, le salaud. Donc, on va reprendre une potion de santé. Voilà. Ensuite, un coup d'aptitude, coup dans le dos. Voilà, il est déjà mort, lui. C'est déjà ça. Et voilà, altération supprimée. Merde.
et on va le faire brûler. Oh putain! Je m'y attendais pas à ça. Potion de résurrection. Mais ça me fait plutôt chier pour ça parce que ça ne marche pas. Ils me mettent cher là, ça se fait pas. Non, je crois qu'il est tué, on revoit des dégâts là donc. Voilà. Putain, on les a enfin eu. Donc, je vais arrêter là. Voilà, on va arrêter là. Alors, je sais pas si je sauvegarde, est-ce que ça va être bon? Alors, je vais. Voilà. Donc, on va arrêter là parce que. Merde. Non, putain. On va arrêter là parce que voilà, ça fait déjà un bon épisode. Et merde, ça revient. Ah putain. C'est chiant ça. Bon, pas grave. C'est pas grave, j'aurais dû continuer après. Mais bon, tant pis. Je retournerai, je referai ce combat après. Hein. Donc je vous laisse là, hein. Je vous dis salut à tous, c'était Pierrick le Geek, à plus pour l'épisode 6 de South Park, ou bien une partie de LOL que j'avais promis il y a longtemps, mais avec tous les projets, le projet numéro 2 de Jetpata est en préparation, ce sera Jetpata, je le dirai pas, voilà, et Scream Night, épisode 2 de Outlast, ceci en préparation, donc, enfin pas en préparation, mais je veux dire, il se fera en tout cas, donc voilà, je vous dis salut à tous, c'était Pierruque le Geek. I'm not going to be able to do that.